Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui je suis super contente, comme d'habitude, de te faire cette petite vidéo de produits terminés. Et oui, regarde, mon sac est plein. Fait que tout est plein, je te montre ça et puis je me suis même fait un petit café. Donc, ça te tente de te faire un petit café, let's go, mais ça suppose, va te faire un café, puis reviens, please play. Fait que je vais prendre une petite gorgée. Et puis, première chose que je vois devant moi, c'est exactement la crème que je viens d'exactement terminer pour mon café. Et c'est celle-là ici de Delight. Je te la présente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la 0 g de sucre par portion vanille française. International Delight 0 sucre. Tu vois? 0 sucre. Donc, elle est super bonne. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est pas chère. Elle est délicieuse, j'adore. Ensuite, j'ai fini un produit pour laver la vaisselle. Mais moi, je l'utilise juste pour les chaudrons. Pas pour laver la vaisselle, parce que la vaisselle, elle va dans la vaisselle. Même souvent, les chaudrons aussi. Mais des fois, il y a des chaudrons que je peux pas tout le temps mettre. Au lave-vaisselle et quelques articles de vaisselle, des fois, qu'on peut pas toujours mettre. J'avais acheté le palmolive essentiel clean au pamplemousse. Moi, je l'ai bien gros aimé. Moi, j'aime l'odeur. J'adore l'odeur du pamplemousse. Je trouve que ça sent trop bon. Ça sent vraiment super bon. Et celui-là, moi, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il dégraisse bien. Ensuite, on a fini ça. Du Taster's Choice de Nescafé. Taster's Choice. C'est du café classique, arabica de choix. Et puis, c'est du instantané. Moi, j'aime bien ça. Ça va vite à faire. Puis en plus, il est bon. Je le trouve super bon. Fait que je l'ai terminé. Ensuite, comme d'habitude, mon bicarbonate de soude. Ça, pour faire du ménage, c'est miraculeux. Pour les soins du visage, les masques pour remettre dans ton bain. Hey, ça, c'est top of the top. Ça, c'est essentiel. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, je te présente souvent aussi, c'est les bretzel chips. Ça, c'est trop bon. Ça, là, top of the top. Trop délicieux. C'est une belle gourmandise, là. C'est une belle collation. Ensuite, du café encore, de Nescafé. Lui, je l'ai beaucoup aimé, toujours la même marque que lui. Nescafé. C'est riche, intense. Il était délicieux. J'ai adoré ce café-là. Je l'ai adoré vraiment. Le très, très, très bon, je te le conseille. Si t'aimes le café assez intense, assez fort. Il est quand même assez fort. Il est super. Je l'aime beaucoup. Je l'aime pas quand je le bois noir, parce que je le trouve fort. Mais quand je le prends avec de la crème, il est délicieux. Ensuite, girls! Qu'avons-nous? Du roulé. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça, franchement, là, c'était à la baie. Ça sentait vraiment, c'était un nettoyant pour le corps. C'était un peu plaisir à me laver avec ça. Ça m'a rappelé l'été. Ah oui, c'était très, très... j'ai beaucoup aimé. C'était un savon qui était très agréable à utiliser. Les produits Olé, ils ont une bonne réputation. Oui. On va pas défaire leur réputation. Ensuite, lingette humide. De la marque Kirkland que j'achète à la caisse, que je te montre toujours, toujours, toujours. C'est mes lingettes préférées. Ensuite, on a un petit Mio aux pêches que j'aime trop. Moi, j'adore le Mio aux pêches. Ça goûte trop, 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 trop bon, ce truc-là. Donc, si ça te tente de boire de l'eau, mets ça dans ton eau. Il n'y a pas de calories, puis c'est super bon. Ensuite, on rentre dans les choses un petit peu plus cool. On va y aller avec ça. Un petit Lipsil que j'ai terminé. De je sais pas trop, Mais j'avais acheté ça au Dollarama. Donc, c'était très hydratant. J'ai beaucoup aimé ces petits Lipsils-là. Ils sont très, très bons. Très, très bons. Et ensuite, les girls et les boys. Comme tu sais très bien, c'est l'habitude de suivre mes vidéos. Je vais prendre une petite gorgée. Tu sais très bien que j'ai beaucoup de crème Bath & Body Works. Mais là, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai terminé quelques-uns, quelques tubes. Et là, j'en ai terminé deux. J'ai terminé le Paris Amour. Qui se présente comme ça, qui était excellent. C'est fait avec du beurre de karité, ces crèmes-là. Extrêmement parfumé. Si t'aimes pas les odeurs
trop présente. Je te conseille pas Bath & Body Works, ou tu peux aller faire un tour, essayer. Je dis bien essayer de trouver peut-être des odeurs moins intenses. Je ne sais pas si ça existe. Moi, je n'ai que des produits qui sentent vraiment très fort avec cette marque-là, mais moi, j'adore. Moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'aime ça quand ça sent comme ça, ça sent longtemps. C'est très hydratant. Moi, j'utilise ces crèmes-là comme crème pour le soir. Hydrater ma peau, là. J'adore. Avant de me coucher, là, j'hydrate toujours ma peau. J'ai un petit rituel avant de me coucher. Et vraiment, j'ai adoré cette crème-là. Et ensuite, j'ai terminé la Malibu. Celle-là ici qui sentait aussi très, très bon. Très, 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 très bon. Mais en plus, les tubes sont super beaux. Oh, ça sent bon. Ça sent trop bon. Ah, là, 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 là. Je pense même qu'il en reste un peu dans lui. Ouais, peut-être que je coupe les tubes, je sais pas. Hein. Peut-être que ça serait mieux, je sais pas. Je vais essayer de... Ah oui, il en reste un peu quand on secoue bien. Là. On voit, là. Ah, je vais peut-être le garder et en mettre tantôt. Ensuite... Ah oui, j'ai terminé mon sérum clinical de SpaScription que j'ai acheté au Dollarama et que j'aime beaucoup. Si tu n'as jamais testé les crèmes pour le visage, les crèmes pour le corps, les soins, tous les soins pour le visage de la marque SpaScription au Dollarama, cette marque, je l'ai testé. J'achète toujours les produits de cette marque, comme tu sais très bien, si tu me suis tous les jours naturellement. Sinon, ben, tu vas l'apprendre. J'adore ces produits-là. Clinical, c'était un très, très, très bon sérum que j'ai vraiment super bien aimé. J'adore aussi le format de la petite bouteille qui est trop belle. Et c'était un sérum... Attends, je vais mettre mes petites lunettes pour que je puisse lire, sinon je vois rien. C'est le régénérateur cutané. Et c'est un sérum anti-âge. Beaucoup aimé, c'était... La pipette. Et t'as un petit piton ici, là. Et vraiment, et la pipette ne se remplit pas au complet. Elle se remplit à peu près environ comme ça. Bon, moi, j'en mettais une goutte là, une goutte là, une goutte là, une goutte là. J'ai beaucoup aimé. Je vais racheter, c'est sûr. C'est sûr, je rajoute. Et ensuite, ben, j'ai terminé de ma rotation make-up. Je suis trop contente. C'est la bébé crème. Je te l'ai présentée souvent dans plusieurs vidéos, la bébé crème de Rimmel. Et vous avez été quelques-unes à l'acheter et à m'écrire en commentaire pour me dire que vous l'aimiez. Donc, je suis super contente de vous avoir fait découvrir cette bébé crème-là pour tous ceux et celles qui ne la connaissaient pas. Elle est géniale. Elle est parfaite pour les peaux matures, vraiment. Il y a elle et il y a celle aussi de... attends, c'est quelle marque déjà? CoverGirl. Je me souviens plus c'est laquelle, mais c'est la bébé crème de CoverGirl. Les produits CoverGirl sont vraiment extrêmement bons pour les peaux matures. Puis surtout, la bébé crème, elle est très bien. Donc, Rimmel ou l'autre que je viens de te dire, là, CoverGirl, top of the top. Mais celle-là, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Puis même déjà, elle me manque déjà. Fait que je vais aller racheter quand même assez rapidement parce que j'ai vraiment aimé cette crème, cette bébé crème-là. Donc voilà, girls, mon sac est vraiment... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà, c'était tous mes petits produits que j'avais à partager avec toi. Et dans ce que j'aime vraiment beaucoup, là, les crèmes Bath & Body Works sont géniales. Et ça, là, c'était top of the top, ça sent trop bon. C'est vraiment des bons produits. La Marcolée, j'aime beaucoup le produit. Donc voilà! Moi, je te laisse et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!